Bonjour, je vais vous raconter une histoire. Il s'agit de Hafsa. C'est une petite fille âgée de 7 ans, souffrant d'une trisomie 21. Alors écoutez maintenant cette histoire. Hafsa a 7 ans. Hafsa aime rire, Hafsa aime jouer. Hafsa adore les livres, Hafsa adore les histoires, Hafsa est câline, Hafsa est coquine, Hafsa est vivante, Hafsa dévore la vie. Une vie qui ne commence pourtant pas exactement comme toutes les autres vies. Hafsa naît porteuse de la trisomie 21 et atteinte d'une malformation cardiaque qui met sa vie en danger. Lui a 15 mois, il faut l'opérer. Une opération aussi longue que risquée. Heureusement, à peine son cœur réparé et remis en place, Hafsa ouvre les yeux et sourit à ses parents, debout, près de son petit lit d'hôpital qui la regarde affectueusement, des larmes de bonheur plein les yeux. Les mois passent, Hafsa se rétablit, Hafsa grandit, elle commence à marcher, elle commence à parler. À cause de la trisomie 21, Hafsa fait tout un petit peu moins vite que les autres enfants de son âge. Mais elle fait tout avec détermination, avec application, avec organisation. Hafsa est affectueuse avec tout le monde. Et tout le monde est affectueux avec elle. Son frère et ses deux sœurs l'adorent. Ils la câline, la taquine, l'aide, la stimule. Et un jour, le grand jour approche. Hafsa va aller à l'école, la même école que tous les autres enfants, qui lui tarde de faire connaissance avec ses camarades de classe, sa maîtresse, ses éducatrices. Elle les aime déjà. Et tous les enfants comprennent vite que même si elle parle moins bien qu'eux, même si elle met un peu de temps à répondre à leurs questions, même si elle ne peut que rire, ni très vite, ni très longtemps, même si elle apprend à lire moins vite qu'eux, tous comprennent car ça sera leur ami. Et tout l'aide. Pas parce qu'elle est différente d'eux, pas parce qu'elle est handicapée, non. Elle l'aide parce qu'elle est comme eux et comme eux pour grandir. Elle a besoin des autres. Alors c'est fini pour aujourd'hui. Je viens de vous raconter l'histoire de Hassa. Alors, j'ai tiré cette histoire d'après l'art roman, un livre de français, de classe de CM1, quatrième année primaire. L'édition, c'est Sidrap CDP. Au revoir.